pourtant, Gassa Delva sous liste, moun, Saint-Domingue dit, pour interdire mettre point de pied sous territoire. Probablement, il y a une raison qui fait ça. Mais il dit, comme ça, c'est l'autre bois, sénateur à vivre. Et l'autre bois, il va évoluer. Il y a l'autre bois. Mais ça, on va le faire. Il y a un bousquet qui est retourné à la caille. Oui, calme ça. Ça vient faire que dans le moment où on a parlé là, Gassa Delva n'a pas parlé aux États-Unis. Si je crois une information qui est devant moi, dans le moment où on a parlé là, Gassa Delva n'a pas parlé à la France. Dans le moment où on a parlé là, Gassa Delva n'a pas parlé au Canada. Et dans le moment où on a parlé là, Gassa Delva n'a pas ramassé le bâton clan pour quitter la République dominicaine parce qu'il est interdit de mettre des points de pile là. Nous devons considération à l'heure. Nous devons dire pour qui ça a des gens qui n'ont pas les sanctions Canada ou bien les États-Unis qui n'ont pas les République dominicaine. Nous devons poser des questions pour nous demander est-ce que c'est parce que nous avons de gros intérêts à l'autre bord. Nous devons prendre des gens dans le cours. Jean-Henri Séan. Nous devons prendre des gens dans le cours. Michel Joseph Martelly. Nous devons prendre des gens dans le cours. Privé. Je suis plein privé. Nous devons dire est-ce que c'est parce que nous avons gros intérêts à l'autre bord qui fait. Il va mettre dans liste ou bien on va gagner pour reboucher. Ouais, ou bien tout que capable de l'autre liste qui sorti. Peut-être. Parce que même genre avec États-Unis, Canada, donc ils sont sorti, c'est des listes. De manière progressive. Oui, ils sont sorti. Quand il y a un tout, est-ce que même si Gassa Delva, je vais poser des questions à tout pour Gassa, mais comme Gassa dans liste là, il vient tomber, je vais dire, est-ce que Gassa va gagner tirer l'autre bois à tout? Parce que je dis tout dernier moment ça, et Gassa est un domaine qui presque quitté. Vous comprenez? Probablement, il y a l'autre bois. Par contre, il y a un business l'autre bois. Elle m'a voulu monter tout. Mais probablement le cas gagné. Mais si vous mettez dans la liste quand même, est-ce que c'est parce que vous avez des bagailles ou reprochez qui est beaucoup plus tangible ou solide que l'autre monsieur? Ou bien est-ce que parce qu'il y a moins d'intérêt à l'autre bois, tout ça a trouvé? Par contre, c'est pas bon. Mais ça que certain, selon Luis Abinadel, donc Gassa Delva avec tout l'autre monde nous connaît, pas de mettre point de pied aux États-Unis d'Amérique. Et Joseph Lambert tout. Bah, Joseph Lambert dans la liste de République dominicaine. Là. Oui, oui. Oui. Ouais. Mais celle ça m'a dit la République. Saint-Domingue, à travers Luis Abinadel, c'est un pays qui t'a fait un lobby soulevé sous le dossier Haïti à Bogota International. Là, pour dire, fuck communauté internationale, la fuck internationale, dit un mot pour Haïti, parce que Haïti, dis Haïti date. On avait comme l'impression que c'est Abinadel qui était président. C'est comme si Haïti et la République dominicaine font seul. Abinadel était président et puis il était fait le porte-parole l'île là. Presque chaque forum, chaque réunion, chaque côté monsieur passé, j'ai toujours parlé. Non, non, Haïti. Bon, bien entendu. C'est pas un bien. C'est pas dit l'abdi son bel pays. C'est pas dit l'abdi nous charge à ressources. C'est pas dit l'abdi nous avons une belle plage, nous avons un bel soleil. C'est pas ça l'abdi. L'abdi, j'en gen gang, j'en gen insécurité, j'en gen corruption, et la trier. Et m'a quoi c'est remé, Abinadel remé nous tout passer ça. Moi plus quoi c'est parce que Abinadel considère nous comme une menace pour la République dominicaine. Elle t'a fait une série de lobbies à vous souvelez. Bon, est-ce que c'est lobby, vous me dites si lobby n'a pas bon sens? On va prendre l'elle t'a parlé comme ça dans Haïti. Nous sommes ancien premier ministre, Claude Joseph, des fonds sortis pour le dédier. Et Abinadel, pays à son pays indépendant, pays qui s'ouvre, ça va l'autre débat. On va prendre, donc, c'est on l'île, c'est vrai, mais chaque pays sous l'île là, il y a grand monde tête, le pays a besoin de parole. Donc c'est pour me dire que Abinadel lui-même, il est bien informé de la réalité haïtienne ou bien de la situation haïtienne. D'ailleurs, selon l'information que j'ai, la République dominicaine a un service de renseignement qui est très très présent en Haïti. Ah oui. Et il y a qui aller plus loin pour dire, il est présent même passé États-Unis. Alors, pour me nuancer, je ne suis pas en train de dire que service de renseignement République dominicaine n'est plus efficace que service de renseignement américain. Non, ce n'est pas ça m'a dit là, ce n'est pas ça m'a dit non plus. Moi, dit, selon ça, je gagne comme information, service de renseignement dominicain est beaucoup plus présent dans le pays. Et yo koto pata imaginer. C'est ça qui fait. Yo gagne non tout nèg qui nan gang ici, et là, m'a parlé des chefs de gang. Yo gagne tout moun tout
qui utilisent frontières pour faire ensemble d'exactions. Et vous avez ensemble d'informations en temps réel qui permettent, si vous voulez, qu'on est qui ça qui a passé dans le pays, qui est-ce qui d'ailleurs est la trier. Ça m'a voulu dire depuis la République Dominicaine parler, j'aime te dire pour le Canada et les États-Unis, c'est pas où l'évangile, il faut que tout le monde dit amen. Mais quel que soit sort à cas brandi comme élément pour expliquer motivation, Luis Abinadel des décisions, certains, ce n'est pas des gens fous, il y a plus ou moins un homme qui a fait ou aller jusqu'à prendre une telle décision. Dans la liste, moi je dis ça, il y a des gens qui sont dans la liste là. C'est des gens, le Canada, les États-Unis, qui sont sanctionnés. Mais il y a des gens, tout, les États-Unis, le Canada, ou bien les États-Unis, ou bien le Canada, qui sont sanctionnés, pour un réseau bien pour l'autre, ils ne sont pas dans la liste République Dominicaine. Là. Donc, nous-mêmes, la PC poser des questions pour nous comprendre ça qui fait ça. L'opre en monde d'un coup, l'ancien président Jocelyn Privert, que le Canada lui-même sanctionné. L'opre en coup, on monde d'un coup, Michel-Joseph Martelly, ancien président, que le Canada a sanctionné. L'opre en monde d'un coup, Gilbert Bidjo. Moun sa yo, yo pa nan liste République Dominicaine nan. Moun ta ka pose question. Est-ce que ça vle di? Moun sa yo, la République Dominicaine pa gen véritablement rien pour le reprocher yo? Moun ta ka pon moun da gou Jean Rissien tout souvle. Est-ce que ça ta vle di tout? Guerrier du seul que moun sa yo, yo genyen tellement de gros intérêt en République Dominicaine, donc qui vient faire automatiquement, soit en forme, soit en l'autre, ils bénéficient de protection à la République Dominicaine. Encore une fois, ces questions m'a posé, ça m'a dit là, il n'y a pas d'information. C'est garder, n'a pas gardé, qui c'est qui a expliqué, ils n'ont pas sous liste Dominicaine. Ils ont considéré que la République Dominicaine pesait en pile, souvelé, soit aller dans Genèse, question sanction, la République Dominicaine, c'est un pays qui était très intéressé, qui était très à pousser. D'ailleurs, je t'explique, là, tout côté Abinadel passé, même, là, il faut faire un barrage dans Haïti. Est-ce que Jocelyn Privert, Michel Martelly, Gilbert Bidjo, entre autres, monde qui pas dans l'Est dominicanien, mais que Canada sanctionné, soit pour corruption, ou bien pour relation avec gang dans le pays, est-ce que ça veut dire, République Dominicaine, pas gagné pour reprocher eux? Point d'interrogation. Est-ce que ça t'a voulu dire que République Dominicaine pas au courant de ça Canada reproché M. Sayo? Point d'interrogation. Est-ce que ça t'a voulu dire tout que moun Sayo tellement un bon rapport à République Dominicaine, yo tellement fait des bagages pour République Dominicaine, yo tellement gen de gros intérêts en République Dominicaine? Donc je dis à la Dominicaine approché ba la dans cadre de démarche de deux poids, deux mesures. Par contre, c'est une question qu'a posé. Maintenant, il y a l'autre monde qui est dans la liste République Dominicaine, non? Qui n'est pas forcément dans la liste Canada, qui n'est pas forcément dans la liste et les États-Unis. Mais nous sommes capables d'essayer de garder. Par exemple, l'opre, le ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, Monsieur Brady Charlot. Monsieur Charlot, il fait partie de monde qui interdit pour mettre point de pied en République Dominicaine. Il m'a pesé sur ça son actuel ministre dans le gouvernement Ariel Henry a dirigé. Est-ce que lui-même tout, l'if sous radar Canada, yo juste pour qu'on sorte document, est-ce que lui-même tout, l'issue dans les États-Unis, il y a juste pour qu'on sorte des documents. Mais celle ça nous-mêmes, nous connaît. En mars 2022, ce ministre, tu dois participer dans une activité qui t'a faite dans le pays Équateur, plus particulièrement capitale de pays, qui c'est Quito. L'idée de accompagner donc cadre
ministère là et m'a précisé son fi. Yo te doué passer par les États-Unis d'Amérique. Eh bien, mes chers amis, monsieur British Allo capable de mentir s'il m'a pas menti. Comme actuel ministre, eh bien, à son grand étonnement, monsieur ouais que sous passeport officiel là, il refusait le visa.